Voilà, ça y est, nous sommes sur le bateau. Il y a un bateau, il y a du monde. Bateau. Nous sommes bien à la Villette. Nous partons dans combien de temps? 20 minutes? 20 minutes à peu près. Voilà, joli bateau tout à l'heure. Ben voilà. C'est bien un an de partir. Dans le 9 cul, comme on dit maman, évolution linguistique oblige. Et l'autre est bien l'Arsenal, exactement là on va passer tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, c'est un bon midi, on traversera 9 écluses. Pourquoi va-t-on traverser 9 écluses? Et bien tout simplement parce qu'il y a une différence de niveau entre le bassin de la Villette et la Seine. Cette différence de niveau équivaut à 27 mètres. Par conséquent, on va compenser cette différence en descendant petit à petit via ces 9 écluses. Alors si on fait un petit calcul tout simple, 27 mètres, 9 écluses, on descend plus ou moins 3 mètres à chaque fois. Now there is a rehabilitation to be cultural center or exhibition center. That one behind the wall, we have inaugurated a restaurant. Then most of the states, not all of them, most of the states, they will be able to give some dates to some stations of the metropolitan.
France, l'île Hauteuil-Zoufonc. Et juste en face de vous, sur l'île de la Cité, l'incroyable, la merveilleuse Pétige, l'unique cathédrale Notre-Dame. La construction de cette cathédrale a commencé en 1163, sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, qui n'en verra pas la fin de la construction, puisque la fin de la construction s'achèvera en 1345. Il a fallu quasiment 200 ans pour pouvoir la construire. C'est un chef-d'œuvre architectural gothique à la française. Je ne saurais que vous en conseiller sa visite. Bien évidemment, l'accès est gratuit. Petit conseil du guide, je ne saurais que vous conseiller la visite des tours. Là, pour le coup, vous devez payer l'accès, sûrement faire la queue, et pas qu'un peu. Mais depuis le haut des tours, eh bien, vous avez une vue imprenable sur l'île de la Cité et sur la Seine. Bien évidemment, la cathédrale Notre-Dame a été le théâtre de nombreux événements de l'histoire de France. On the left hand side, on City Island, the wonderful, the only one, Cathedral Notre-Dame. The construction of this cathedral began 1163 and 1345. Takes almost 200 years to build it. It's one of the supreme masterpieces of French Gothic architecture. I really advise you to visit it. Of course, the access is free. Small tips of the guide, I really advise you to visit the towers. For the towers, you need to pay the access for... qui est d'ailleurs la devise de Paris, vous la connaissez j'imagine, Futur et Mergitur, sur les flots, ne bouge jamais. Et oui, parce qu'en fait, toute l'histoire de la ville a été organisée autour de la Seine, si la Seine n'avait pas été là, Paris ne serait pas là non plus. Cette première tribu des Parisiens, c'est une tribu de bateliers, commerce par la voie d'eau. Les armoiries de la ville, c'est une nef, donc vraiment tout est axé autour du fleuve. Juste là sur la droite, le super bâtiment que vous retrouvez, c'est l'hôtel de ville, la mairie de Paris. Là, je rappelle que la maire de Paris, c'est Madame Hidalgo. On the right hand side, the super building that you could see is Paris City Town Hall. I just remind you the mayor of Paris, Mrs. Hidalgo. Juste là sur la gauche, le bâtiment le plus moderne que vous retrouvez, c'est l'hôtel Dieu. L'hôtel Dieu, c'est le plus ancien hôpital de la ville, un des plus anciens hôpitaux d'Europe. Sa construction date du 7e siècle. Celle que vous voyez, ça date du 19e siècle. Je ne vais pas rentrer dans la polémique à comprendre à qui veut, sachez que nos interpellés d'urgence on les a rouverts, on les a refermés, on les a réouverts. Là en ce moment c'est ouvert. C'est la conciergerie, c'est la plus ancienne prison de Paris, l'antichambre de la guillotine. Évidemment, elle est encore une nouvelle prison. Toutes ces tours, plus en la première, la tour carrée, c'est la tour de l'horloge. Dans sa façade avant, il y a la plus ancienne horloge publique. Je vous invite vraiment à aller la regarder, elle est absolument somptueuse. Elle a été restaurée en même temps que le reblanchiment du bâtiment il y a 3 ans. Just after the bridge, on your left hand side. The building is older towers, it's called Conciergerie, which is the oldest jail of Paris, the antechamber of the guillotine. Of course today there is not any more jail. All those towers, they all have a name. The first one, the square one, is called the Clock Tower. On the front face of it, you can see the oldest public clock. I really advise you to see it. Absolutely wonderful. Tiens, derrière vous, sur la gauche, un bel, en fait, on sache que ça se visite. Ça se visite que sur réservation, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Regardez sur internet et vous pouvez aller la visiter, c'est en juin, juillet, août et septembre. Je vous conseille absolument d'aller visiter la Tour Saint-Jacques. C'est visitable que depuis l'année dernière. We've got three on the left hand side of the garden. This garden is more du Bergalon. It's exactly any year that the last Grandmaster of the Knights Templars, Jacques de Molay, spent blood to life in the order of the King Philippe le Bel, as I told you before, in March 1314. That happened exactly here. Toujours sur la gauche, derrière les arbres, avec son dôme doré, et bien vous allez pouvoir retrouver l'Institut de France. Cet Institut de France a été voulu par Mazarin en 1661. À l'heure actuelle, ça abrite 5 académies, notamment l'Académie française, qui est la gardienne de la langue française. On your left hand side, with this golden dome behind the trees, you could see the French Institute. This French Institute was ordered by Mazarin in 1661. Today on it, you've got 5 academies, including the French Academy, which is the keepest of the French language. Et juste là sur la droite, le musée du Louvre, ou le palais du Louvre. Alors il s'agit là d'une des premières demeures des rois de France. Sa construction 90, précisément. À l'heure actuelle, c'est indéfiniment que le plus grand musée du monde, avec 180 salles et par contre 10 millions de visiteurs.
de le faire étape par étape quand même. Et le musée du Louvre est bien bordé quai de Seine sur 870 mètres de haut. But the legend said, if you want to visit completely, you need 5 days. I just advise you to do it step by step anyway. And he's facing the Seine River on 870 meters long. Alors maintenant, vous allez faire attention. Ici. Juste un peu le prochain pont sur la gauche. Derrière les arbres. Entre le bâtiment rouge et le bâtiment jaune. Facilement reconnaissable avec sa petite fenêtre ronde. Vous allez voir la plus petite. Easy to see with this one window, you need to see the smallest house of Paris, just after the bridge on the left. La petite maison de Paris, juste après le pont sur la gauche. Vous l'avez vu la petite maison de Paris? Alors plus petite maison mais grand loyer quand même. D'ailleurs, on a un de nos anciens présidents de la République, hein, M. Chirac, qui a un appartement qui est mitoyen avec sa petite maison de Paris. Bâtiment jaune. Ouais. Tout simplement, quand le train électrique est arrivé à Paris, eh bien, les quais de la gare étaient trop courts pour pouvoir accepter le freinage des trains. Ce bâtiment a été changé de nombreuses reprises, jusqu'au moment où il a été complètement abandonné, jusqu'en 1986, hein, décembre 1986, où la mairie de Paris inaugure le musée des impressionnistes. Un musée absolument remarquable, tout à fait formidable, je vous en conseille vivement sa visite. Et donc voilà, messieurs, dames, et bien, une croisière est en train de s'achever. Le capitaine Alex et moi-même Arnaud, et bien, espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous, ce fut un vrai plaisir de vous avoir à bord. Bien évidemment, si vous avez aimé la croisière et le commentaire, n'hésitez pas à nous faire savoir. Plaisir. On va vous souhaiter une excellente fin de journée, un excellent fin de week-end. Merci pour votre visite et on vient nous voir quand vous voulez. Merci.